Eh bien, salut tout le monde, salut à tous, c'est Percy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Resident Evil Remaster. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, on se retrouve pour un let's play du dimanche. Alors, petite information, donc, aujourd'hui, nous allons jouer toujours pour le plaisir. Mais par contre, nous n'allons plus jouer avec Jill Valentine. D'ailleurs, c'est quoi cette arnaque? Je n'ai plus mes... La tenue spéciale, bon c'est pas grave, on s'en fout. Et donc aujourd'hui nous allons jouer avec Chris Redfield. Donc ce sera un épisode par semaine, j'essaierai de tenir cet équilibre. Je ferai environ à peu près une vidéo d'une heure, histoire qu'on avance assez vite. Disappeared during the middle of their mission. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently beaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris. Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Is everyone all right? Barry. Where's Barry? He's... No. What was that? I'll go and check it out. All right. Jill and I will stay and secure this area. Chris? Take care. Yeah. Ok, c'est parti. Alors, faut savoir quand même que c'est la première fois que je fais Resident Evil Remaster avec Chris.
J'ai toujours testé avec Jill, donc je ne connais absolument pas du tout ce que ça peut donner avec avec notre cher Chris Redfield. Mais c'est parti. De toute façon, là, on est chaud. On a l'air d'être chaud, en tout cas. Du sang par terre. Espérons que ce n'est pas celui d'un de vos amis. Ce serait dommage, en effet. Alors, c'est parti. On va toujours le faire en mode de... En mode relax, hein, j'ai envie de dire. On va pas trop se dépêcher, ça sert à rien de toute façon. On est ici en mode zen. Ah. Lui par contre, je crois qu'il est trop en mode relax. Va falloir que... Va falloir se calmer un petit peu sur la... Sur la viande, hein. C'était quoi même? Je suis même pas sûr que je peux te tuer. Enfin, je peux te tuer, mais... Autant que je revienne en arrière, ça sert à rien. Donc, en tout cas, on avait vu un de nos copains qui était mort. Alors, on va vite fait voir du coup si on peut pas repartir. Parce que du coup, ça sert à rien de rester là. Ah bah, eux, ils sont partis, tiens. Bah, d'accord. Wesker ? Jill ? T'en fais pas, on reste là. On bouge pas, on sécurise la zone. Mais oui, allez, vas-y. Where did they go? Puis au pire, on se casse aussi, ça marche aussi. Ah, un flingue. Ça fait pas confiance. Pourquoi il y a un flingue par terre? Déjà, hein. Oula, 15 balles, ok. 15 balles. Allez, on visite la zone. Ok, alors. Non, on va éviter de faire ça. On va faire comme d'hab. Tac, on monte là. Alors, on va récupérer la carte. Tac, la première carte du jeu. Une carte du manoir. Nickel. Vous avez pris la carte. Merci. Heureusement qu'il était là pour me le dire. Parce que putain, je suis sûr que j'aurais jamais su. C'est pas par là déjà. Par où est-ce? Un poignard. Ah, fuite d'urgence. Vous utilisez des objets de défense. Oui, ça on sait tout ça. On l'a vu quand on était avec Jill. Vas-y, viens. Ah, le poignard, claque. Ok, nickel. Alors, bon. Plus besoin d'être là. On peut avancer. J'ai des baisses de... Des pertes d'image, je sais pas pourquoi. C'est juste affreux, quoi. Ok. Alors, ensuite, on va aller voir là-haut. Alors ça, si je m'en fais bien, c'est pour aller dehors. C'est un peu à rien, là, l'étape où on est. On va juste changer d'arme, on va prendre ça. Histoire de, vous voyez... Ensuite, on va repartir par là. Juste, je regarde ma carte. Ouais, on va aller par là. Tenez, on va aller par là. Alors, je vous dis, on s'est bien perdu avec Jill Valentine. Alors là, je pense qu'on va bien se reperdre avec Chris Redfield. Hein, Je vois pas pourquoi ça changerait. Allez, hop. On ouvre la porte. Coucou, il est toujours là normalement le zombie qui était là. Ah non, il est plus là. Le corps de votre camarade Kenneth, il a l'air d'avoir quelque chose dans la main. C'est la cassette qui appartient à Kenneth, il me faudra un magnétoscope pour la visionner. Sachant que si je me rappelle bien, avec Jill je n'ai pas trouvé le magnétoscope. À moins que je sais plus du tout. Ah, là, attendez, il y avait un truc, là. Qu'est-ce que c'est? Oh, des munitions, sympa.
Alors, si je me rappelle bien également, d'après ce qu'on m'a dit, avec Chris, c'est un peu plus compliqué que qu'avec Jill. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Hein. Si j'y arrive ou pas. Pire, tant pis. Hein. Clac. Alors. La porte est verrouillée de... Ah! Ok, clac, toi t'es mort. Mais c'est quoi ce délire? Pourquoi j'ai des... Oh. Ça j'ai déjà vu. On dirait que l'on peut retirer la pointe de la flèche. On peut plus rien faire, je crois. C'est quoi ce délire? Pourquoi j'ai des pertes d'images comme ça? Un truc de fou. Hein. D'accord, ok. Là, on pourra pas faire mieux. Si je me rappelle bien, c'est par là la sortie. Non, là, tout est fermé. Ah non, j'ai déverrouillé la porte. Je ne sais pas du tout comment j'ai fait. Mais je l'ai déverrouillé. C'est bien. Ok, donc là je suis apparu là-haut. Ah. Petit poignard. Vraiment sympathique. On ira voir l'autre mec plus tard. Donc là. Si je me rappelle bien. La pointe de flèche, ça nous sert à ouvrir la porte qui est dehors. On va aller voir ça tout de suite. Eh mais ouais, j'ai des pertes d'images, un truc de fou quoi. Je sais pas d'où ça vient ça. Alors, ah ouais, c'est bien ici. Clac, on utilise ça. Alors si je me rappelle bien également, ça sert à rien de descendre, mais bon, on peut toujours y aller. Alors oui, alors ça, oui, oui, c'est bien ce que je pensais, ça ne sert à rien de venir ici. Ah si, attendez, il y a un truc ici là, c'est quoi? Un livre est placé dans la cavité de l'hôtel, le grimoire. Grimoire, grimoire, dis-moi que je suis la plus belle. Examinez. Intitulé grimoire. Il y a une clé dans le dos du livre. Clé du manoir. Et il n'y a rien d'autre. Grimoire. Les quatre masses. Ah oui, ça, on s'en fout. Rien d'inhabituel. Une épée est gravée sur la clé. La clé de l'épée. Ok, donc déjà, on a trouvé la clé de l'épée. C'est plutôt pas mal. Alors, faut que je me rappelle de toutes les énigmes que j'ai fait avec Jill. Et. Enfin, ça se trouve, faudra pas que je passe par les mêmes chemins. Donc. Ça risque d'être assez short. Déjà, comme vous l'avez vu, la porte, elle était ouverte. La porte à droite, elle était ouverte. Et si je me rappelle bien, avec Jill, elle était pas ouverte dès le départ. Et moi, j'ai la clé de l'épée. Et je ne sais plus quelle porte ouvre cette clé. Alors, quand ça, c'est fait. Je crois déjà, cette clé-là, c'est verrouillé. Clé casque. Oui, c'est bien ce que je pensais. Les casques. Donc du coup, on avance. On va aller de l'autre côté. Clac, ici on s'en fout. Vous avez utilisé la clé de l'épée. Ah bah tiens, voilà. Pouh. Ok, alors. What the fuck? Y a rien d'autre, je crois. Si, y a pas un truc ici. Ah voilà. Non, bah, c'est de l'autre sens. Voilà. Et on récupère. Et c'est un chargeur. Nickel. Ok. Alors, on continue d'avancer. Bon, je vais rien spoil sur l'histoire.
Pour ceux qui n'ont pas regardé la version... Oh, elle est classe l'image là. Attendez, claque. Elle est trop classe cette image, je la trouve trop stylée. C'est verrouillé. Il s'agit d'une serrure à l'ancienne dotée d'un mécanisme relativement simple. Donc ça, si je me rappelle bien, Jill avait réussi à le déverrouiller. Donc, et nous, on n'a pas réussi. Tant pis. Clac. C'est rempli d'eau salée. D'eau sale, plutôt. D'eau salée. Ça. Ok, il est mort. Oh, on ne pouvait plus porter d'objet. C'est quoi ce petit cette petite clé? J'ai jamais vu cette clé. On va aller vite fait au coffre. Il y a un coffre pas très loin d'ici. On va aller vite fait au coffre et on va aller voir ce que c'est cette, et on va récupérer cette clé parce que ça m'intrigue énormément et je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, c'est par là, le coffre. C'est par ici. Si je me rappelle bien. Il se peut que je ne m'en rappelle plus assez bien et que je me trompe de porte. Hein. Ce qui m'étonnerait quand même, mais on sait jamais. Non. Ah! Clac, ça c'est fait. Ensuite, donc. Je comprends pas cette perte de FPS là. Je ne comprends absolument pas tout ça. Alors, on va ranger ça. On va ranger ça pour le moment. On en a pas besoin. Ça. Et non, le couteau de survie, je vais le garder comme. Non, le couteau de survie, je peux le ranger. On n'a jamais vraiment eu besoin du couteau de survie, donc on va le ranger. En tout cas pour le moment, en tout cas avec Jill, on n'en a jamais eu besoin, vraiment. Donc voilà. Ok, alors on repart. La poignée de porte va sans doute... On s'en fout, ouvrir tout de même. Hein, de toute façon, après on a l'habitude. Hein. On n'est pas assez doué pour réparer une poignée de porte, mais pour tuer du zombie, nous on est doué. Alors, ça c'est fait. Alors, on va voir ce que c'est cette petite clé qui m'intrigue quand même. Hein. Je sais pas du tout ce que c'est. Et ça m'intrigue énormément. D'ailleurs, tac, on rentre. Ok, à quoi elle peut-elle servir? À quoi peut-elle servir? Je ne sais pas du tout. Vieille clé. Bah oui, ça j'avais vu que c'était une vieille clé, tiens. Examiner. Une vieille clé du manoir. Apparemment, elle peut ouvrir les portes munies de serrures simples. Ah. Donc ce serait la porte qui servirait à ouvrir la... ce serait la clé qui servira à ouvrir la porte sur... par là. Là, cette porte-là. Ok. Ok, d'accord. Ok, donc Jill elle peut le débloquer avec son kit de serrure machin chouette, mais nous on est obligé d'utiliser cette clé pour... Ok. Je retiens. Donc alors, on prend l'herbe, on prend la substance chimique, on prend une plante rouge qu'on va switch avec... qu'on va mélanger avec... Merde, c'est ça. Avec ça et on reprend une plante verte et on peut se casser avant que les chiens ne sautent de notre côté et nous défoncent la gueule. Ok, alors maintenant que on a fini ce côté là, on peut repartir de l'autre côté par là. Qu'est-ce qu'il y a déjà? Je ne crois pas que ce soit la zone avec le...
Le fusil à pompe. Si c'est la zone avec le fusil à pompe. Alors je vais pas y aller maintenant. Parce qu'il y a une technique assez spéciale du coup. Pour prendre le fusil. Alors si je pourrais je trouve le fusil cassé. Et une fois que j'aurai trouvé le fusil cassé, je reviens. J'utilise le fusil cassé pour remplacer le fusil à pompe. En tout cas, pas comme j'ai fait avec Jill. Alors, je vais éviter de faire les mêmes erreurs que j'ai fait avec Jill, en tout cas. Ça peut être plutôt pas mal. C'est verrouillé. L'emblème d'une armure est gravé sur la serrure. Donc oui, s'il n'est pas mon emblème d'armure, ça servira. S'il n'est pas la clé de l'armure, ça servira à rien que j'aille ici. Alors, peut-être que j'aille rendre quelques trucs, mettre quelques trucs dans mon coffre. Ok. Il y a plusieurs notes. Ouais, ça je peux le ranger, ça je pense pas que je vais utiliser ça pour le moment. Je vais prendre les notes quand même, ça peut être intéressant. Instruction spéciale pour des... Ouais, on s'en fout en fait. Et ça là, il y a des trucs par terre. Prends les trucs par terre, petit. Non, faut prendre la truc par terre. Il est con. Prendre la gourde. La gourde, on va la remplir de kérosène. D'accord, ok. Comme ça, c'est fait. Ok, c'est comme ça. Pour remplir, c'est comme ça. Ok, comme ça, c'est... Comme ça, je sais. Ah, lui, il peut en avoir que deux dans sa gourde. Ok, d'accord. Avec Jill, c'était 3, lui, c'est 2, ok. À moins qu'avec Jill, c'était 2 aussi. C'est bizarre, je crois me rappeler que c'était 3. Bon, c'est pas grave. Ok, donc alors, on est ici. Je me rappelle bien, cette porte est verrouillée, c'est un emblème d'armure. Si je me rappelle bien également, cette porte-là est verrouillée également. Non, je ne me rappelle pas bien, d'accord. Ok. Je fais la gueule. Alors, où suis-je déjà? Ah oui, il faut que je trouve le briquet. Alors, par contre, alors là, où est-ce qu'il est le briquet? Ça, je ne m'en rappelle plus. Comme ça, ça s'est fait, je m'en rappelle plus. Ah, petit zombie. Ok, d'accord. Clac. Il n'y a pas de poignée sur la porte. Vous avez déverrouillé la porte. Nickel. Ok. On avance plutôt pas mal. Ok, par là. Si je m'en souviens, il n'y a rien d'intéressant. Peut-être trouver le briquet quelque part. Est-ce que le briquet ne serait pas dans la salle avec le fusil à pompe? Je me pose la question là. Un journal ouvert. Les pages sont vierges. Ok. Bon, d'accord. Bah écoutez les amis, alors on va faire en sorte que ce premier épisode ne soit pas trop long, histoire de bien s'incruster dans l'histoire. On va s'arrêter là et au partir de l'épisode prochain, voilà, déjà j'espère qu'il y aura moins de bugs, de perte de FPS, là je sais pas du tout d'où ça vient. Et sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter, moi ça me ferait énormément plaisir. À partir du prochain épisode, on essaiera de faire des épisodes à peu près d'1 heure, comme ça, pour bien avancer dans ce Let's Play. Et sur ce, portez-vous bien, allez, tchuss tout le monde.